De Dieu, tout a été prévu avant la fondation du monde et avant la naissance de chacun de nous. Dieu ne subit pas les faits de temps. Daniel chapitre 2 dit que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Lui qui change le temps. Et surtout, ce prophète Daniel a eu des paroles comme celle-là, parce que justement, en son temps, Dieu lui a révélé beaucoup de choses qui se passeraient dans diverses périodes de temps jusqu'à la fin. Vous savez que Daniel n'a pas eu une vocation de prophète, mais il est devenu prophète par la grâce de Dieu et parce qu'il s'est fait un instrument nécessaire pour exécuter ce ministère. Et dans ce livre de Daniel, nous voyons comment Dieu a eu la grâce de lui révéler beaucoup de choses qui se passeraient à différents moments. Vous savez que dans ce livre de Daniel, lui-même dit à Dieu, mais les choses que tu m'indiques là, même quand je les je n'y comprends rien. Le Seigneur lui dira que ça ne le concerne pas. Il y a des choses qu'il ne comprendrait pas. Mais à la fin du temps, les gens comprendront. Je dis ceci pour que justement nous sachions que Dieu a un plan précis qu'il suit. C'est nous les hommes qui nous cherchons, qui tâtonnons, qui avançons, reculons, mais Dieu est déterminé à suivre son plan, à suivre ses desseins jusqu'à la fin. C'est dans des points comme ceux-là qu'on peut vraiment comprendre que Dieu est Dieu. Il n'a rien d'incompréhensible.
Ceci veut dire que ceux qui veulent servir le Seigneur doivent savoir en quel temps ils sont et ce que Dieu veut faire en leur temps. Je dis que c'est l'une des constatations. L'une des constatations qu'on peut faire à travers le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur, qui sont des fidèles enfants de Dieu, qui prennent le parti de combattre pour la cause du Seigneur, mais qui ne prennent pas la peine de savoir ce que Dieu veut faire avec eux, ce que Dieu veut faire en leur temps. Vous savez, il y a un langage presque commun qu'on utilise, qu'on peut toujours utiliser. Tout le monde va parler du réveil, tout le monde va parler de ceci, tout le monde va parler de ceci, tout le monde va parler de ceci. Moi, j'ai entendu pour la première fois le mot réveil en lisant un journal qui a été écrit en 1922, donc avant ma naissance. Les gens parlaient du réveil. Vous savez que le mouvement de l'esprit de Dieu dans lequel nous sommes aujourd'hui a été de nouveau renouvelé il y a juste un peu plus d'un siècle. Donc, les gens parlent du réveil, les gens parlent toujours du réveil, et tout le monde va parler du réveil. Et tout le monde va penser que le réveil, c'est la même chose d'année après année. Et c'est ce qui fait que beaucoup de serviteurs de Dieu sont plutôt routiniers. Ils tournent la même chose. Ils font comme les autres ont fait. Mais ils ne cherchent pas à savoir ce que Dieu veut qu'ils fassent face aujourd'hui. Je sais que dans votre école, si vous étudiez l'histoire de l'Église, mais j'aimerais dire que en étudiant l'histoire de l'Église, il faut que nous sachions que l'histoire du réveil a déjà dépassé plusieurs phases. Quand j'ai commencé à lire certains livres, le premier livre que j'ai lu, c'était les discours de Finney sur le réveil. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai lu ce livre, je l'ai relu. Je crois qu'en ce moment, c'était presque l'un des rares livres que j'avais qui était très, très intéressant. Il est assez volumineux. Je l'ai lu entièrement. J'ai relu. Finney parle du réveil. Mais je sais que si Finney vivait encore aujourd'hui, avec la capacité de servir Dieu, il ajouterait des annexes à son livre. Parce qu'il découvrirait qu'aujourd'hui, le Seigneur a ajouté d'autres choses dans le réveil qu'il connaissait en ce temps-là.
En lisant le livre de Finet sur le réveil, on ne peut pas découvrir la forme de culte avec la louange que nous avons maintenant. On ne peut pas découvrir la forme de culte avec les dons spirituels tels que ça se manifeste. Et on ne peut même pas découvrir les différentes formes de dons spirituels que le Seigneur dont le Seigneur remplit maintenant de plus en plus le peuple de Dieu. Pour certains qui paraissent des choses extraordinaires, des choses surprenantes. C'est toujours pour dire que dans chaque période de temps, et nous ne pouvons pas définir les périodes de temps, Dieu seul peut définir à l'avance les périodes de temps. Nous devons seulement constater, prendre attention à observer, à nous demander ce que Dieu est en train de faire maintenant. Le réveil est l'un des sujets que, jusque maintenant, quand j'ai le temps, j'enseigne dans notre institut biblique, et j'enseigne dans différents centres de formation qui sont dans le pays chez nous. Mais j'ai ici le texte initial sur cette leçon que j'avais préparée il y a plusieurs années sur le réveil. Mais aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, quand j'enseigne le réveil, je suis obligé d'ajouter d'autres choses parce que dans l'espace de 40 ans, Dieu est en train de faire des choses qu'on ne connaissait pas il y a 40 ans. Je vais donner une petite image des constatations que personnellement j'ai faite. Quand le Seigneur a commencé avec nous l'œuvre dans le pays, nous on ne connaissait aucun prédicateur de plein évangile, de réveil ou pentecôtiste. Dieu a commencé une œuvre vraiment étonnante, vraiment merveilleuse, qui a étonné les églises d'où nous sommes sortis, sans savoir même où nous allons, et qui nous a étonnés nous-mêmes. Juste après, nous avons découvert ce que généralement on appelait en ce moment-là le mouvement pentecôtiste. Les premières personnes que nous avons rencontrées, c'était des missionnaires et des pasteurs des Assemblées de Dieu du Gabon. Et j'étais par miracle, le Seigneur a fait que nous puissions les rencontrer. Nous avons attendu 3 ans pour trouver quelqu'un qui pouvait nous baptiser par immersion, sans nous forcer d'être dans son église. Et par un miracle, un jour, le Seigneur nous fait découvrir un missionnaire qui vient du Gabon, qui traverse le Cameroun par bateau pour venir en France passer ses congés. Leur bateau tombe en panne à Douala. Par hasard, on le rencontre sur la rue. On le connaît comme cela. Dans l'entretien, il parvient à connaître notre témoignage. Et c'est ainsi qu'il accepte de nous baptiser. Il avait eu la permission de sortir du bateau pour 2 jours. Et il a pu faire ce travail. Revenu dans le bateau, 30 minutes après, le bateau repartait pour la France.
Si je vous raconte l'histoire en détail, c'est un véritable miracle. C'est ainsi que nous avons découvert le mouvement pentecôtiste par les assemblées de Dieu. Alors, depuis mon premier voyage en Europe en 66, je connaissais déjà qu'il y avait un mouvement pentecôte, il y avait une assemblée de Dieu. J'ai eu la grâce de Dieu de visiter certaines églises en ce moment par le truchement d'un serviteur de Dieu à Paris, Bernard Clément. Après, je suis revenu plusieurs fois en Europe, mais j'ai vu beaucoup de choses changer. Premièrement, ce n'est pas pour parler du mal, mais il nous faut faire ces constatations. La première chose, l'une des choses que j'ai remarquées, c'est que à quelques endroits, ces mêmes églises de Pentecôte que j'avais vues dans la flamme de leur vie, dans la flamme de leur travail, tout à fait baissé. Ça ne faisait que s'éteindre. Je me rappelle un pasteur que j'avais connu en 1966. Quand je reviens dans son église, 6 ans ou 7 ans après, il ne veut même plus qu'on parle, en langue, que ça trouble les gens. Le même que j'avais vu, qui parlait en langue comme un perroquet. Le même, 6 ou 7 ans après, quand je rends témoignage des choses qui se passent chez nous, le soir en mangeant chez lui, il me dit non, pasteur, il faut modérer parce que ces choses de l'esprit, ça commence à. Alors, ça m'a étonné. Nous, on était dans les premières expériences merveilleuses dans ce domaine. Comment lui dit que ça trouve? Et de plus en plus, voyageant dans ces pays et dans d'autres pays d'Afrique, ce que le Seigneur est en train de faire maintenant dans le domaine de son œuvre sur la terre dépasse tout ce qu'on pouvait appeler en ce moment-là le mouvement de Pentecôte. Ça dépasse tout cela. Ça dépasse. Et justement, faites cette constatation. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, ceux qui ont vraiment évolué dans le mouvement de Pentecôte, qui ont fait leur part dans cet état, sont presque absents aujourd'hui dans ce que le Seigneur. Quand j'assiste à certaines conférences dans certains pays, dans certains endroits, je me pose la question, mais pourquoi tel n'est pas là? Pourquoi tel n'est pas là? Pourquoi tel n'est pas là? Ce que le Seigneur est en train de faire maintenant est différent de ce qu'il faisait au début du mouvement de Pentecôte. Il ne faut jamais penser que ce que le Seigneur fait, même avec nous maintenant, c'est le paroxysme. Non. Il ne faut jamais le penser. Nous sommes dans une période. Le Seigneur est en train d'agir avec nous. Je veux dire, au niveau de la disponibilité que nous lui donnons. Dieu va travailler avec les hommes en rapport avec la disponibilité de ces hommes. Et c'est pourquoi Dieu va toujours aller de l'avant. Dieu ne recule pas. Dieu ne reste pas stationnaire dans un niveau. Il va de l'avant. C'est pourquoi
cette concertation, je vous conseillerais de la faire. Essayez de prendre la peine d'observer ce qui se passe, ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Vous pouvez observer cela dans les différentes églises que vous êtes. Vous pouvez observer cela en lisant différents journaux qui vous parlent de ce que le Seigneur fait dans tel pays, dans tel pays, dans telle autre église, dans telle partie du monde. Je dis souvent aux serviteurs de Dieu dans mon pays que ce que nous appelons la vision, j'ai la vision. D'une part, c'est d'abord ce que Dieu nous montre. Mais avant que Dieu nous montre ce que lui, il doit nous montrer, nous devons voir ce que nous devons voir. Nous avons quand même des yeux. Nous avons quand même certaines aptitudes. Si Dieu me donne une vision aujourd'hui, ce qu'on peut vraiment appeler vision, si vraiment Dieu me donne une vision aujourd'hui, Dieu me donne cette vision pour que je fasse mieux que ce qui est en train d'être fait. Dieu ne me donnera pas la vision pour rester stationnaire avec ce qui est en train d'être fait. Et comme je vais peut-être vous donner certains jalons, Dieu n'a jamais donné une vision à quelqu'un qui lui-même ne cherche pas la vision. Jamais. Jésus a rencontré des hommes aveugles. Voyez une question drôle que Jésus posait à certains aveugles. Il voit quelqu'un qui est aveugle, né aveugle, il ne voit pas. Mais Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Jésus voit qu'il est aveugle. Et il lui pose la question, tu veux que je te fasse quoi? Et l'homme va lui dire que je vois, je veux recouvrir la vue. Pourtant, Jésus voit que cet homme est aveugle. Ça veut dire que Dieu ne peut pas nous donner la vision si nous-mêmes ne cherchons pas la vision. Si nous-mêmes n'avons pas faim et soif de vision. Il ne va rien nous donner. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif, parce que c'est eux qui seront rassasiés, c'est eux qui seront désaltérés. Dieu ne va quand même pas se tenir au marché et demander aux gens, prenez le réveil, prenez le réveil, prenez le réveil. Non? Et Dieu ne va pas se tenir, venir forcer une église pour donner le réveil. Et Dieu ne va pas parce que il sait qu'il y a tel qui est serviteur de Dieu, tel qui est serviteur de Dieu, lui dire, monsieur, je viens te donner le réveil, fais le réveil. Non. Dieu a toujours dit, je cherche un homme. Je cherche quelqu'un qui peut élever un mur. Et je dis qu'un tel homme que Dieu cherche parce que cette personne a faim et soif. Et cette personne, d'où vient sa faim et sa soif? D'où est-ce qu'il vient que quelqu'un a faim et soif d'une chose de Dieu? Parce qu'il a constaté que ce qui existe, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne font aucune constatation, même sur ce qu'ils font eux-mêmes.
si tu ne constates pas ce qui se passe dans le monde, Dieu ne te confiera pas quelque chose de spécial. Parce que c'est en constatant que ça ne va pas, que ça va soulever en toi une faim et une soif d'une chose supérieure, d'une chose meilleure. Et alors là, le Seigneur va te rencontrer pour te confier une meilleure chose, pour te confier le secret d'une chose meilleure que ce que tu es en train de vivre. Voilà pourquoi je parle souvent de constatation. Il faut constater. Le serviteur de Dieu qui veut servir Dieu en notre temps, dans sa génération, pas dans la génération de Jean-Baptiste, pas dans la génération de l'apôtre Paul, pas dans la génération de Finet, pas dans la génération de tel ou de tel, mais dans ta génération. Dans ta génération. Si tu veux servir Dieu dans ta génération, premièrement, sois quelqu'un qui constate ce qui existe. Constate. Là, ce n'est pas d'abord l'intervention de Dieu. Constate. Comment vois-tu l'Église? Comment vois-tu les Églises? Comment se passe l'œuvre de Dieu dans ton pays? Comment ça se passe ailleurs? À quel niveau Dieu agit aujourd'hui? Et d'abord, c'est donné. C'est ça qui va créer en toi la faim et la soif d'une chose meilleure. Et quand Dieu te trouve une telle femme, un tel homme, Dieu va te rencontrer. Dieu va te confier parce qu'il voit en toi quelqu'un qui a besoin que les choses se passent comme lui, Dieu, veut que les choses se passent. Alors, il va chercher à te confier quelque chose. Il va chercher à t'équiper. Il va chercher à te donner le secret de ce qui n'existe pas encore, de ce qui doit être meilleur. C'est pourquoi quand j'enseigne souvent cette leçon, je dis que le réveil n'a pas, dans la parole de Dieu, le réveil n'a pas de principe stagnant. Non. Le réveil a des principes progressifs. Progressifs. Quand le réveil spirituel est arrivé dans cette partie du pays en Europe, vous retenez bien l'histoire, je parle surtout au niveau du pentecôtisme, du mouvement de l'esprit. Les choses ne se faisaient pas comme ça se fait maintenant. Ça ne se faisait pas. Il y a certaines choses que Dieu n'a pas voulu mettre en marche en ce moment. Prenons un exemple que vous connaissez dans la parole. Dans Éphésiens chapitre 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit que Dieu lui a donné une intelligence spéciale. Éphésiens chapitre 3. Au verset 3, il dit, « C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit de Dieu.
aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voilà le témoignage de l'apôtre Paul. Le témoignage de l'apôtre Paul, c'est cela. Dieu lui a donné en son temps la révélation de ce qui n'existait pas dans la connaissance des hommes. Aucune personne en ce moment n'avait l'intelligence et la sagesse de ce qu'on peut appeler le corps de Christ. Même Pierre, voyez que même après que Pierre s'est repenti, au jour de la Pentecôte, celui qui prêche avec force. Maintenant, Dieu le rencontre. Pendant qu'il prie sur le toit, Dieu fait percer une nappe avec divers animaux. Et Dieu lui donne l'ordre, tue et mange. Pierre lui dit, non, Seigneur. Non, moi je n'ai pas appris ça. Non. Pierre ne comprenait pas que le salut pouvait être à la fois pour les Juifs et puis pour les païens. Le Seigneur retire la nappe et le laisse d'abord s'essouffler. Un temps après, la nappe revient. Tue et mange. Pierre dit, Seigneur, non. Il dit, non, Seigneur, je ne mange pas. Je n'ai pas appris ça. En mon temps, et ce que j'ai, ma conception, c'est que le salut est seulement pour les Juifs. Jésus avait dit ça une fois, mais il n'a pas entendu ce que Jésus avait dit après. Jésus avait dit, je suis envoyé premièrement auprès des brebis dispersées du peuple d'Israël. Mais quand Jésus a dit encore après que maintenant, comme vous n'avez pas accepté, j'irai vers les païens, Pierre n'avait pas saisi ça. Il n'avait pas saisi. Parce qu'il était négligent, il était si bouillant que. Il était négligent. Il n'avait pas capté ça. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu qui ne font aucune constatation, qui ne font aucune observation. Ils vont comme cela et ils sont tentés de faire comme on a l'habitude de faire. Et c'est pourquoi je les appelle des routiniers, des gens qui ne font que la routine, qui ne tournent qu'en rond, qui ne vont pas dans le sens que le Seigneur est en train de faire une œuvre progressive jusqu'à la fin du monde. Pierre va dire à Dieu, non, pas trois fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Carrément, le Seigneur l'a mis de côté, l'a laissé avec les Juifs. Mais c'est bon, comme tu ne comprends pas une autre forme, le corps de Christ, bon, reste avec les Juifs. Je vais susciter une autre personne et Dieu est en train de chercher. Il va trouver Saul de Tarse. Pourquoi est-ce qu'il choisit Saul de Tarse, un persécuteur de l'Église? Dieu ne regarde pas à ce que Paul fait, à la persécution fait, mais il regarde à la flamme qu'il y a en lui. Paul, un combattant les chrétiens, les disciples de Christ, n'était pas contre Dieu. Surtout, il plaidait la cause de Dieu. Il avait seulement été mal informé. Il avait mal compris. C'est pourquoi lui-même dit, tout ce que je le faisais par ignorance. Mais ce qu'il y avait au fond en lui, c'était vraiment le désir de soutenir la cause de Dieu, de préserver l'intégrité de la chose de Dieu. Paul avait le souci que rien ne vienne polluer
la chose de Dieu. Et c'est ce que Dieu a vu. Et Dieu va le choisir comme premier pionnier, premier apôtre pionnier parmi les gens que Pierre ignore. Et la conclusion est quoi? Paul va dire dans l'épître de Galates, vous le savez, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Dieu ne te donnera pas plus que ta faim et ta soif. Pas plus. Jamais plus. Il faut que Dieu trouve en toi que tu aspires, que tu veux. Que tu fais le meilleur de son travail, le meilleur de son œuvre, alors il va te confier le meilleur. Il va te confier le secret de faire plus. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il fera même plus que moi. Mais attention, le Seigneur ne va pas permettre n'importe qui à faire plus que lui. Jamais. Tant qu'il ne voit pas en toi que tu as la faim et la soif, que quelque chose soit meilleur, quelque chose soit différent, quelque chose soit plus, il ne te donnera jamais plus. Il ne te confiera jamais la capacité, le secret et la puissance pour faire plus. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi il est important que ceux qui se préparent maintenant, comme ceux qui sont déjà à l'œuvre du Seigneur, soient des gens qui constatent, qui observent, qui voient ce qui se passe. Et en comparant avec la parole de Dieu, qu'ils voient ce qui manque encore. Parce que nous pouvons constater le niveau où nous en sommes, mais nous pouvons aussi découvrir ce qui manque. Parce que la Bible a toute la volonté de Dieu. Tout le dessein de Dieu est dans la parole. Est dans la parole. Avec la parole de Dieu, je peux examiner ma propre vie spirituelle. Je peux savoir qu'au niveau où j'en suis, je n'ai pas encore atteint. L'apôtre Paul va faire cela pour lui-même. L'apôtre Paul va dire, je n'ai pas encore atteint la perfection. Donc, il avait une idée de la perfection. Il avait une idée de la perfection. Il avait une connaissance du niveau parfait que lui n'a pas encore atteint. Alors il va dire, je fais une chose. Je laisse ce qui est en arrière. Je vous dis la vérité, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui surtout, Dieu ne cherche pas un grand nombre de serviteurs de Dieu. Même quand Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il ne voulait pas dire que maintenant il faut que je cherche beaucoup d'ouvriers. Non. La primauté pour Dieu, ce n'est pas beaucoup d'ouvriers. Mais dans la pensée de Dieu, il veut plus d'ouvriers aujourd'hui qui soient vraiment efficaces, qui soient vraiment à la norme, qui soient capables de faire aujourd'hui ce que Dieu veut que ça se fasse aujourd'hui.
Voilà pourquoi, en plus de la constatation, tu peux découvrir ce qui dépasse ce qui existe. C'est pourquoi j'ai dit, pour ta vie personnelle, comme l'apôtre Paul, tu peux savoir que tu n'es pas encore parvenu à la perfection. Parce que la parole de Dieu, à tout le niveau de la vie spirituelle, jusqu'à toute la perfection. Et tu peux savoir que je suis à tel niveau, que je suis à tel niveau, que je suis à tel niveau. Un enfant de Dieu qui est fidèle à lire, à méditer la parole de Dieu, verra toujours à quel niveau il se trouve par rapport à la perfection. Si tu ne lis pas la parole et ne médites pas, tu penseras toujours que ça va bien. Tu penseras toujours que tu es vraiment bien. Mais c'est en lisant la parole de Dieu, en la méditant, en laissant l'Esprit de Dieu nous parler, que tu découvriras que tu es encore à 100 000 kilomètres du but. Et ce qui est vrai pour l'individu est vrai pour l'Église. Est vrai pour l'Église. Un bon serviteur de Dieu qui conduit un peuple doit être un homme, une femme qui constate, qui voit l'état de l'Église, mais en étudiant, en méditant la parole de Dieu, Dieu va lui révéler le meilleur, ce qui reste à faire, là où son Église n'a pas encore atteint. C'est pourquoi il va se mettre au travail. Il ne va pas se réjouir seulement qu'il a eu une église, il a eu beaucoup de gens, il est maintenant bien installé. Non, sa fin et sa soif sera d'atteindre la perfection en rapport avec l'Église. Et c'est la même chose pour le ministère. Si tu ne constates pas ce qu'est le ministère aujourd'hui, comment les gens exercent le ministère aujourd'hui, quelle est la vie des serviteurs de Dieu aujourd'hui, quel est le potentiel de leur ministère, que produit leur ministère, quelle est l'efficacité de leur ministère. Si tu ne fais pas ces constatations pour ton ministère 1, et pour le ministère de tous ceux que tu vois servir Dieu n'importe où, si tu ne te poses pas de questions, si tu n'opères pas, si tu n'es pas un chirurgien pour opérer, voir la maladie dedans, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Tu auras un ministère stagnant. Tu auras un ministère qui tourne en rond. Tu seras un grand routinier. Tu n'auras jamais la faim et la soif pour le meilleur. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, Dieu ne cherche pas un grand nombre d'hommes et de femmes. Beaucoup de gens pensent cela. Beaucoup de gens pensent cela. C'est pourquoi, peut-être pas ici, mais au Cameroun, quelqu'un qui s'est converti il y a 3 mois, il arrive là-bas dans un village, si 2 vieilles femmes sont converties, il va te dire qu'il est déjà évangéliste international. Il va te dire qu'il est pasteur. Comme maintenant, tout le monde peut faire les cartes de visite. Il va me faire mettre les cartes de visite écrites. C'est toi qui vas effacer.
Il va commencer à multiplier partout. Pasteur international, apôtre, évêque. Il va le distribuer partout. Ce que Dieu veut, au fond, ce n'est pas un grand nombre. Il est vrai que quand on parle peut-être de la croissance de l'Église ou du réveil, il faut un grand nombre, c'est juste, mais ce n'est pas ça la première recherche de Dieu. La première recherche de Dieu, c'est des hommes et des femmes capables de faire avec lui ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi, quelle sera notre constatation aujourd'hui? Notre constatation aujourd'hui ne doit plus être une constatation locale, une constatation rétrécie. Si vous voulez servir le Seigneur aujourd'hui, ayez une constatation globale. Jean chapitre 4. Après l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine, les disciples vont revenir du marché, le trouver parlant avec cette femme, ainsi de suite. Après, Jésus va introduire un entretien sur la boisson. Il va dire à ses disciples, vous dites que, il faut encore attendre 3 ou 4 mois pour la boisson. C'est comme ça que vous, mes disciples, vous dites. Et il leur dit, mais levez les yeux. Si vous levez les yeux à voir depuis loin, vous verrez que la moisson est déjà prête. Mais tant que vous voyez seulement autour de vous, vous allez encore attendre 3 ou 4 mois. C'est pourquoi la constatation d'un homme, d'une femme de Dieu, en notre temps aujourd'hui, dans votre génération aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, si tu veux vraiment servir Dieu d'une façon adéquate dans le temps que nous vivons, est une constatation globale. Connais ce que le Seigneur est en train de faire dans l'église locale où tu es. Mais cherche aussi à savoir ce que Dieu veut faire dans toute la ville où tu es. Sache ce que Dieu veut faire dans le pays où tu te trouves. Et jette tes regards jusqu'aux extrémités de la terre. Renseigne-toi, informe-toi, découvre ce que Dieu est en train de faire maintenant. Tu verras que ton vocabulaire va changer. Tu verras que ton aspiration va changer. Ça deviendra plus que ce que tu vois autour de toi. Votre temps ne sera plus comme notre temps au début. Jésus avait déjà dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et de plus en plus, on parle de ça oralement. On récite ça comme des perroquets. Mais il faudrait, prenons un exemple comme l'église qui se passe ici.
Si on ne peut que réciter cela, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans quel siècle? Nous allons entrer bientôt dans le troisième millénaire de l'ère Christ. Nous allons entrer dans le troisième millénaire. Et nous avons toujours des églises qui tournent en rond dans les quatre murs de leur chapelle, qui ne font jamais rien en dehors de cela. Tu as des villes, des églises qui sont même incapables d'avoir un impact véritable sur la ville où ils sont, même sur le quartier où ils sont. Et nous allons entrer dans le troisième millénaire de l'ère Christ. Alors, quand atteindrons-nous les extrémités de la terre? Quand atteindrons-nous les extrémités de la terre? Il faut que l'Église qui est ici ait dépassé les quatre murs de sa chapelle, ait même déjà dépassé les frontières de sa ville et même de son pays. Si nous disons que Jésus revient bientôt, c'est quand il reviendra que tu lui diras: Jésus, attends d'abord, je ne suis pas encore allé jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus n'a pas dit ça pour que ça soit une récitation de tête. Jésus a dit ça pour que une église ici à Bruxelles puisse avoir l'impact dans Bruxelles, dans la Belgique, en Europe, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cela. Un jour, je parlais dans un séminaire. Je disais aux serviteurs de Dieu: nous sommes ici au Cameroun, et jusqu'à quand atteindrons-nous les extrémités de la terre? Et ce jour-là, Dieu m'a fait parler de cette façon. L'Esprit de Dieu m'a fait parler comme ça. Il m'a dit: frère, vous savez qu'il y a une partie de l'œuvre en Chine et au Japon que personne d'autre ne fera qu'un Camerounais. J'ai parlé ça comme ça. Parce que qu'est-ce que nous pensons de jusqu'aux extrémités de la terre? C'est juste prier pour ceux qui sont au Japon, c'est pour juste prier pour ceux qui sont en Chine. C'est tout ce qu'on doit faire jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous passons le temps à tourner en rond là où nous sommes. Voyez par exemple, je parlais du Cameroun. La plupart des serviteurs de Dieu maintenant, jeunes ou vieux, qui veulent vraiment être serviteurs de Dieu, ne viennent que s'accumuler dans les villes. Et dans la même ville, tu auras quelqu'un qui a une église, si tu auras l'autre qui a une église en face. Quelquefois, deux, trois églises louent le même local. Pendant qu'il y a des villages qui n'ont même pas une seule église. Je dis, c'est correct. Ce n'est pas du tout correct. Parce que nous ne constatons pas. Et à cause que nous ne constatons pas, nous n'avons ni faim ni soif. Et quand on parle du réveil, par exemple, mes frères, mes sœurs, dites-moi la vérité. Vous pensez que Dieu doit envoyer seulement le réveil dans les villes et tous les gens qui sont dans les villages aller en enfer? Le réveil doit passer par où? Doit toucher où? Si tout le monde ne s'accumule que
là où il y a la possibilité de bien vivre. Alors j'ai dit, à moins que nous lancions une opération village, à moins que nous lancions une opération jusqu'aux extrémités de la terre. Et je bénis le Seigneur parce que ce jour-là, il y avait un jeune homme qui était dans ce séminaire, qui terminait justement la troisième année de l'Institut biblique. Je ne savais pas qu'il avait compris ça et que cela l'avait touché. Mais il s'est mis devant le Seigneur. Et aujourd'hui, ce frère est au Japon. Et il a commencé une église. Et je me dis ceci, si ce Camerounais n'allait pas, qui devait faire l'église qu'il est en train de faire? Personne! Personne! Dieu avait destiné avant la fondation du monde que ce jeune Camerounais irait au Japon et ferait une église, et quand il prêcherait, tel Japonais va seulement croire en Dieu par son témoignage. Et s'il n'allait pas? Et s'il n'allait pas? Vous pensez que vous, Africains, qui êtes ici dans ce pays, c'est simplement parce que vous avez fui la guerre chez vous? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes là par un dessein, par le dessein de Dieu. Vous pouvez penser, pour ceux qui sont du Zaïre, parce que je connais bien un peu l'histoire du Zaïre ces dernières années. Vous pouvez penser que, à cause de la difficulté chez vous, comme vous êtes venu vous replier ici, comme rapatrié, comme ceci ou comme cela, c'est juste. Comment est-ce que l'église d'Antioche a été formée? La persécution de Jérusalem a chassé tout le monde. Et ceux qui sont allés ont formé l'église d'Antioche. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Bien que vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous étiez ici par hasard, vous n'auriez jamais le désir de faire une église. Vous seriez resté aussi dans le quartier disant que ça ne vous regarde pas. Mais pourquoi? Ça vous démange. Pourquoi ça vous démange de vouloir faire quelque chose pour le Seigneur? Et vous pensez que c'est... Et si vous n'étiez pas là, qui aurait fait ce que vous faites? Qui aurait fait? Les Belges qui sont ici, qui sont des serviteurs de Dieu, sont en train de faire leur part. Ce que vous êtes en train de faire, Dieu avait prévu ça avant la fondation du monde, que c'est vous qui le ferez. Et c'est pourquoi nous devons avoir constaté ce qui se passe. Et nous devons voir ce qui reste à faire. Alors, ça cultive en nous la faim et la soif pour que Dieu nous confie quelque chose. Voilà de tels serviteurs de Dieu que Dieu veut. Des hommes et des femmes qui savent qu'ils n'ont pas atteint la perfection. Qui voit par rapport à la parole de Dieu ce qui reste à faire et qui sont gênés, attristés par cela et qui soupirent pour que quelque chose de plus s'efface. Et alors, l'Esprit de Dieu va les atteindre l'un après l'autre.
quand l'Esprit de Dieu les atteint l'un après l'autre, Dieu en fait des hommes qui dépassent ce qui est en train d'être fait. Si c'est Dieu qui est en train de former le ministère en toi, tu feras des choses plus que ce qui est en train de se faire maintenant. Tu feras plus. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas que ça reste au niveau où ça se trouve maintenant. Sinon, voyez, c'est Jésus qui déclare, ceux qui croient en moi feront les œuvres que je fais et ils en feront de plus grandes. Si vous êtes dans cette position et que vraiment vous avez faim et soif, Dieu fera avec vous des choses étonnantes. Dieu fera avec vous des choses qui dépassent ce qui est en train de faire maintenant. Dieu vous utilisera dans des dimensions plus grandes que ce qui se passe maintenant. Voilà comment Dieu travaille avec ses desseins. Dans chaque période de temps, il cherche des hommes et des femmes capables d'être utiles pour ce temps-là. Capables d'être utiles. Vous verrez, avant que ça ne soit trop tard, je vous dis la vérité, mes frères, pendant le temps que nous vivons maintenant, les dispositions de Dieu ont dépassé de loin ce que chacun fait pour son compte localement. À travers le monde, l'Esprit de Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui n'ont plus la vision du travail local, des églises locales, qui n'ont plus la vision de mon église. Je suis pasteur ici, voilà mon église. Dieu est allé plus loin. Dieu va plus loin. L'une des preuves, c'est que là où des hommes et des femmes sont fidèles à Dieu, Dieu donne une grande église. L'une des promesses dans la parole, c'est que Dieu multiplie les familles. Et Dieu donne des grandes églises pour que cela dépasse une personne. Pour que ça dépasse une personne. Dans le temps où nous sommes maintenant, Dieu va remettre en place l'exercice complémentaire des différents ministères et des dons qu'il a donnés à l'Église. Même jusqu'à une période dans le mouvement pentecôtiste, on a toujours vu une Église, un pasteur qui fait tout. Mais Dieu veut qu'on dépasse cela. Dieu veut voir tous les ministères s'exercer. Et Dieu veut voir tous les dons spirituels à l'œuvre dans l'Église. Il y a 9 dons spirituels. Il faut que ça s'exerce dans l'Église. Il faut qu'il y ait ces 9 dons dans l'Église. C'est ainsi que l'Église sera perfectionnée. Et un seul homme ne va pas exercer ces 9 dons dans l'Église. C'est pourquoi là où les dons spirituels vont éclore
auront la liberté d'être exercées, vous verrez des choses terribles. Vous verrez des choses plus grandes. Mais là où le don spirituel ne se manifeste pas, on tourne en rond. Un, ce don spirituel, c'est quoi? En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Pardon? C'est 1 Corinthiens chapitre 12, je suis au verset 8. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Il faut que dans l'Église, il y ait des hommes et des femmes qui ont le don, ce don-là, parole de sagesse. Que ce soit le pasteur lui-même, que ce soit un autre homme fidèle de Dieu, une parole de sagesse. C'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui vient te dire de la part de Dieu ce que Dieu devait te dire lui-même s'il était présent. Et s'il n'y a pas ce don, personne n'est encouragé. Tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire. Tu ne sais pas exactement à quel niveau tu es. Une parole de connaissance. Parole de connaissance. Dire à telle personne, voilà, il y a ceci dans ta vie, mais le Seigneur voudrait que tu fasses comme ça. Tu fasses comme ça. Si ce don n'existe pas dans l'Église, l'Église continuera à être comme les églises il y a 20 ans. Des églises malades, des églises paralytiques. À un autre, le don de foi. Le don de foi, qui est le don qui agit beaucoup dans le sens de la prière de la foi. Quelqu'un qui peut demander à Dieu, parce qu'on est dans une situation, parce qu'on est dans le besoin, prier Dieu et la chose s'accomplit. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, la prière de la foi a une grande efficacité. Et si nous avons dans l'Église seulement les prières routinières, il n'y aura rien de spécial. Rien de spécial. Rien de spécial. À un autre, le don de guérison. Et combien de malades chroniques sont encore dans l'Église? Un jour à Edea, j'ai été très touché des cas de maladies chroniques. J'ai demandé au Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a tel frère, telle sœur, 5 ans dans l'église, on prie pour elle. Ça ne change pas. Il n'est pas guéri. Il faut les dons de guérison. Et tous ces dons-là ne peuvent pas toujours être accrochés au ministère pastoral. Le ministère pastoral, c'est un ministère. Mais les dons doivent se manifester dans l'Église. J'ai un jeune homme qui habite avec nous dans notre campement, qui est un jeune serviteur de Dieu.
Moi, je vous dis la vérité, quand je voyage avec lui, chaque fois qu'il y a un cas de maladie, je dis, Théophile, c'est ton affaire. Parce qu'il a réellement un don de guérison. Vraiment un don de guérison. Vraiment un don de guérison. Ça ne me fait aucune honte. Moi, je prie aussi pour les malades parce que le Seigneur me le demande. Mais je n'ai pas spécialement ce don de guérison. J'ai vu Dieu guérir les gens par ma prière. Ça, j'ai vu. Mais je sais que ce n'est pas mon don. Et même si j'avais le don de guérison, si je vois un autre qui a le don de guérison, je vais lui demander d'agir. Je ne veux pas m'accaparer du don, dire que comme je suis pasteur, c'est moi seul qui va exercer ce don. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce jeune Théophile. Quand on voyage ensemble, on prie pour les malades. Je vous dis la vérité, c'est un frère qui a un don de guérison. Nous avons vu des cas terribles que Dieu a manifestés par. Mais il n'est pas pasteur. Il est encore jeune, il se forme pour le ministère, il n'est pas pasteur. Il n'a aucun ministère. Il est dans l'église. Il nous aide comme un ancien, il travaille dans l'évangile. Des groupes dans la ville. Et il a le don de guérison. Pourquoi ne pas l'utiliser dans l'église? Il faut ce don. À un autre, le don d'opérer des miracles. Il faut détruire dans notre pensée que les dons spirituels ne sont accrochés qu'au ministère. Non, les dons spirituels sont donnés aux fidèles dans l'église, à tout le monde dans l'église. Si je suis pasteur et que je suis dans la bonne disposition avec le Seigneur, il va me donner le don spirituel. Mais Dieu peut en donner aussi aux chrétiens dans l'église. Il faut savoir les découvrir et il faut savoir les mettre en jeu. Le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie, le discernement des esprits. Là où il y a le discernement des esprits, les sorciers sont facilement traqués. Mais oui, ils ne viennent pas se cacher là. Un jour, à l'église de Théa, je devais donner la parole ce jour-là. Après le temps de louange, on s'est même étonné pourquoi la louange avait duré beaucoup plus que prévu, plus d'une heure et demie. Et nous tous, nous sentions donc qu'il fallait continuer la louange. Après ce temps de louange, les gens se mettent à adorer Dieu, à prier. Et à un certain moment, c'est comme si quelqu'un a donné un ordre, tout le monde s'est tu. Et un jeune garçon, quoique à ce moment, il n'avait pas encore 14 ans. Un jeune garçon se lève au milieu de la salle et commence à parler, pas en langue. Il parle, il dit des choses qui se trouvent ici. Et ce jeune garçon se déplace, il va chez tel monsieur, il dit, toi, tu es sorcier. Il va chez tel gars. Il pique comme ça trois personnes. Il les attrape, il les amène ici devant l'esclave.
Il dit, l'Esprit de Dieu dit que vous êtes sorciers. Vous tracassez les gens dans cette église. Voyez-moi un petit garçon de moins de 14 ans qui traîne trois costauds, messieurs et dames. Il les amène là, en face. Il y a l'un d'eux qui tremble comme une feuille. Commence à leur dire, dites, dites. Et c'était terrible ce que nous avons entendu ce jour-là. Vraiment terrible. Vraiment terrible. S'il n'y a pas le don de discernement, beaucoup de choses vont se cacher à l'église. Les sorciers, les gens viendront se cacher pour détruire le peuple. Et des démons de toutes sortes. Avec la jeunesse qu'il y a dans l'église, tu vas faire comment pour barricader l'adultère? Beaucoup de choses seront cachées dans l'église de façon que, à un certain moment, tu sens la lourdeur, tu ne sais pas comment faire. Il faut ces dons dans l'église. À un autre, la diversité de langues, à un autre, l'interprétation de langues. Et aujourd'hui, si le Seigneur veut maintenant donner de grandes églises, ce n'est pas seulement Yong Shok qui aura les grandes églises dans le monde. Le Seigneur va faire maintenant partout où il va trouver des serviteurs de Dieu consciencieux, des serviteurs de Dieu fidèles. Il va leur confier une grande famille chrétienne. Mais le but de Dieu, pour que cette grande famille chrétienne dépasse un seul homme, et que on soit forcé de laisser émerger les différents ministères et de laisser actionner les différents dons spirituels. Et on doit y parvenir. On doit y parvenir. On doit y parvenir. Il ne faut pas simplement que c'est quelqu'un qui a les dons de discernement aux États-Unis qui vient une fois le jour où il vient à l'église, c'est lui qui dit qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Et tout le temps qu'il est chez lui aux États-Unis, cette église meurt. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dépasser la période de vedette dans l'œuvre de Dieu. Nous avons eu jusqu'ici des vedettes, des serviteurs de Dieu qui font mouvoir le monde. C'est très bien. Mais ce temps commence à être révolu. Ce temps commence à être révolu. Dieu veut maintenant des grandes églises où il y a tous les dons spirituels et où s'exercent les ministères des différents ministères. Des cinq ministères apostoliques jusqu'à d'autres. Les neuf dons spirituels. Et c'est ainsi que les neuf parties du fruit de l'esprit se manifesteront. Et c'est de tels hommes et de femmes que Dieu cherche maintenant. Des hommes et des femmes qui sont capables, qui sont disposés de mener une foule. Et de laisser l'action de l'esprit se faire pleinement. Par les ministères, par les dons spirituels, afin que le fruit de l'esprit se manifeste. Okay.
merci Simon. Nous avons une assemblée et dans l'assemblée, nous avons des chrétiens qui viennent pour la première fois. Et il y a, pendant le culte, un chrétien qui vient avec la parole de sagesse pour notre assemblée. Pour la première fois, ouais. Il est venu dans l'église. Mais il est chrétien. Avec parole de sagesse. Et qu'est-ce que vous nous conseillez comme comportement, réaction à avoir vis-à-vis de ce qu'il nous dit? Personnellement, je ne crois pas que c'est correct. Je ne dis pas que c'est correct vis-à-vis du don qu'il exerce. Mais la première chose, c'est que cette personne doit être connue de l'Église. Si elle veut, si elle veut travailler avec l'Église, il faut qu'elle soit connue de l'Église. Il faut que cette personne soit assimilée dans l'Église. Je dis que quand les serviteurs de Dieu, bon, comme moi, je ne suis pas ici, je viens d'un autre pays, je suis de passage. Est-ce que je peux exercer le don de sagesse et de connaissance dans l'église où je vais? Je peux. Mais, à condition que je sois bien connu par les serviteurs de Dieu et des personnes dans l'église. Parce que ces personnes à qui je veux parler doivent être sûres si je suis un fidèle enfant de Dieu et si je suis un fidèle serviteur de Dieu. Quelqu'un qui vient pour la première fois à l'église, moi, d'abord, doit être connu de l'Église. Il doit s'assimiler à l'Église. Comme ça, il peut aider l'Église. Il peut aider l'Église. Sinon, les dons spirituels ne sont pas des ministères que je vais les colporter partout où je vais, donc de parole de connaissance ici, et on ne sait pas d'où ça vient. Quoi ça vient. Les dons spirituels, tout spécialement, doivent s'exercer d'abord à partir de l'église locale. Il ne faut pas confondre les dons spirituels et les ministères. Un ministère peut être accompagné du don spirituel, mais un don spirituel seul n'est pas un ministère itinérant. Il doit s'exercer dans le contexte de l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne. Excusez-moi, il y a une sœur qui m'a parlé de. Une fois, elle était dans un train, et puis elle a rencontré quelqu'un, elle a commencé à prier pour cette personne, et elle a dit des choses à la personne qu'elle-même, elle ne savait pas pourquoi, et que la personne était très touchée parce qu'elle a commencé à lui parler de choses vraiment spécifiques à sa vie qu'elle ne raconte pas sur tous les toits. Et après, elle m'a dit que ces personnes voulaient l'inviter chez elle, pour qu'elle puisse chez elle alors qu'elle habitait très loin. Donc, si je peux me permettre, ça contredit un peu ce que vous voulez dire. C'est juste, ça peut être juste. Parce que, pourquoi elle a voulu parler à cette personne? Je pense que c'est la vie, quoi. Hein? C'est la vie. Premièrement, si peut-être c'est une personne, un frère ou une soeur, qui a le désir, c'est-à-dire qui a le désir d'aider, de rendre témoignage aux gens,
Alors le Seigneur peut mettre avec cela un don spirituel. C'est-à-dire, elle a déjà soif de rendre témoignage aux personnes. Donc elle peut rendre témoignage même dans un train, même n'importe où. Et le Seigneur peut mettre avec un don spirituel. Mais seulement un don spirituel, je vois quelqu'un, je commence à lui dire, Dieu dit que, Dieu dit que. Quelquefois ça paraît, pour certains, ça peut paraître une folie. Même si cela concorde que c'est des choses qui existent dans la personne. Parce que les sorciers aussi font la même chose. On peut te confondre avec un marabout. Parce que le marabout te fait la même chose. Et c'est pourquoi si vraiment on a un tel don, j'ai dit que pour l'utiliser n'importe où, il faut que ça soit attelé à un service, c'est-à-dire à un ministère. J'ai par exemple le don de connaissance. Il faut que je sois quelqu'un qui rend témoignage, qui gagne les âmes. Alors ainsi, Dieu va permettre que mon don soit vraiment utile. Mais si je n'exerce que le don, partout où je passe, j'exerce le don, les gens vont profiter, mais cela ne leur sera pas utile. Je dis que quelquefois, les gens vont nous confondre avec ce qui n'est pas de Dieu. Parce que les marabouts font la même chose. Les marabouts peuvent dire à quelqu'un ce qu'il y a en lui, et c'est exact. Et puis maintenant, la personne qui l'a parlé, comme elle n'a pas eu l'occasion de la visiter, qu'est-ce qui a été la suite de cela? Il lui a justement parlé, c'est juste. La suite alors a été quoi? Le but des dons spirituels, c'est d'amener, de rapprocher quelqu'un de Dieu, d'attirer quelqu'un de Dieu. S'il faut seulement exercer le don pour que le don soit exercé, je ne crois pas que c'est ça. C'est pourquoi je crois que cette sœur peut d'abord avoir un désir de rendre témoignage, de gagner les âmes. Alors avec cela, Dieu peut mettre le don de connaissance. C'est bien possible. Comme on peut mettre le don de guérison. Je parlais d'un jeune homme. Théophile. Combien de fois en voyageant, n'a-t-il pas gagné des personnes au Seigneur et les gens ont été guéris à prier avec eux, soit dans le train, soit dans le bus. Est-ce que le don de connaissance est aussi entre guillemets permanent? C'est-à-dire, on se dit, bon, j'exerce maintenant le don de connaissance. Je pose la question pour moi, parce que par rapport à votre, la question que vous avez demandée sur qui est exercé, si quelqu'un a été amené à exercer de façon ponctuelle, est-ce que la personne peut estimer avoir le don parce que, ou alors que Dieu a permis que ponctuellement, dans certaines occasions, il y ait précise que ce don se manifeste. C'est-à-dire que, imaginons que si j'ai été amené à exercer à Dieu à trois, quatre reprises la parole de Dieu, que je pouvais estimer que j'ai le don, si ça a été très ponctuel. Si vous avez exercé ce don de trois, quatre fois, pourquoi vous n'estimez pas que vous avez le don? Vous avez estimé que vous avez le don quand vous l'utiliserez mille fois. Après combien de temps? Dieu veut, si nous avons le don, justement, alors Dieu nous le fait utiliser ponctuellement, c'est-à-dire au moment voulu.
Mais il faut que nous ayons le don. Nous soyons la personne qui est assimilée à ce don-là. Que nous ayons des dispositions qui permettent à Dieu de nous utiliser souvent avec ce don. Je ne sais pas si je comprends bien votre question, mais ça ne doit pas être que, bon, j'ai exercé le don de connaissance maintenant et toute ma vie, je ne l'exercerai plus. Ou bien, ça vient par hasard. Attention, aucun don spirituel ne vient par hasard. Aucun. Du moins, si on voit vraiment dans la parole de Dieu, la parole de Dieu se complète. Celui qui a faim et soif, c'est lui qui sera rassasié et désaltéré. L'apôtre Paul dit, aspirez au don. Si tu n'aspires à aucun don, tu n'auras jamais un don spirituel. Tu ne manifesteras jamais un don spirituel. Jamais, jamais. Si tu n'aspires pas, et aspire au don, c'est quand tu vois le bien que ce don pourrait faire dans l'Église, dans ta vie d'abord, dans la vie des autres. Et tu soupires, c'est-à-dire tu as comme vraiment un fardeau pour ce don-là. Comment nous restons comme ça à l'Église? Et chacun ne fait que se débattre, personne ne sait exactement ce que Dieu veut de lui, ce que tu portes ce fardeau, tu le mets dans la prière, tu le mets dans tes... Tu as le souci, tu aspires, Dieu va te donner le don. Dieu va te donner le don. Dieu ne donne jamais... qu'est-ce que je veux dire? Vraiment, il ne donne, je ne crois pas que Dieu donne le don là où on n'aspire à rien, où on a besoin de. Parce que d'autre part, ça concorde avec l'église de Laodicée. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Quand on a besoin de rien, alors personne n'a plus besoin de te donner quelque chose. Jusqu'à ce que tu saches que tu es malheureux, tu as vraiment besoin, alors là, il peut te donner. Le don spirituel, c'est ça. Je dis que dans nos églises, dans l'église aujourd'hui, il y a deux critères. Le premier, c'est de perdre de vue que les dons spirituels peuvent seulement être exercés avec le ministère pastoral. Parce que dans l'église, par exemple, on va s'attendre à la prophétie de qui? Dans beaucoup d'églises, on va s'attendre à la prophétie du conducteur, s'il est pasteur, s'il est de celui qui est là devant. On va s'attendre au don de guérison de qui? De celui qui est devant. Puisqu'après la prédication, il va faire l'appel pour la guérison. On va s'attendre que lui, il fasse tout. Et c'est ça qui fait que la plupart de cas, l'Église n'a pas un potentiel spirituel. Parce que la masse de l'Église est sèche et tout le monde veut seulement que c'est telle personne qui le fasse. C'est une habitude. C'est une, pour moi, ma pensée est cela. C'est un héritage des Églises mortes. Vous voyez, nous disons qu'il y a des églises mortes. Des églises protestantes, catholiques, ainsi de suite. Mais comment ça se passe? Dans ces églises, le pasteur qui est là devant, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui va prêcher, c'est lui qui va lire la Bible, c'est lui qui va donner le chant qu'on chante, c'est lui qui va faire tout. Nous ne sommes là que les wagons qui sont tirés par une locomotive. Et si nous amenons la même chose dans nos églises, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Le
prédicateur va prêcher et tout le monde s'attend. Après, il va prier pour les malades. Tout le monde s'attend à ça. Dans notre routine maintenant de nos églises, le prédicateur doit faire l'appel pour prier pour les gens. Il va prier pour nos problèmes. Est-ce que vous êtes sûr s'il est loin pour cela? Est-ce qu'il est loin pour cela? Un docteur va faire le ministère de docteur. Un apôtre va faire le ministère d'apôtre. Il ne faut pas caler, mettre dans le ministère tout ce qui est. Non, les dons spirituels s'exercent en dehors des ministères, à moins que tel ministère ait aussi un don. Moi, par exemple, rarement je fais des appels après ma prédication. Parce que c'est une routine de rien du tout. Même Jésus qui avait toute la puissance. Montrez-moi un passage où après sa prédication, il a fait l'appel aux gens pour qu'ils viennent, que les gens viennent parler. Il n'a pas fait l'appel. Mais les gens allaient vers lui. Spontanément, les gens allaient vers lui. Pourquoi est-ce que les gens allaient vers lui? Parce que les gens avaient entendu ce qui s'était passé par son ministère. Cette femme qui est venue toucher Jésus par le pan du vêtement, pourquoi elle est venue? Elle n'est pas venue parce que Jésus est un prédicateur. Mais elle a entendu parler de Jésus, de ce qui se passe avec Jésus. C'est pourquoi je sais que même si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Tandis que dans nos églises, dans les églises, est-ce que les membres d'église savent qui dans l'église a le don de guérison? Est-ce que vous savez? Non. Si je sais que c'est tel frère qui a le don de guérison, même si ce n'est pas lui qui a prêché, j'irai vers lui pour qu'il prie pour moi. Amen. Mais nous en avons fait maintenant une chose automatique, c'est le prédicateur qui prêche. C'est le prédicateur qui va prier pour les malades. Et c'est lui qui va prier pour tous les problèmes. C'est juste. Dieu bénit quand même. Mais dans cette sorte de faire, Dieu nous donnera les miettes, pas la plénitude. Dieu ne donne pas la plénitude quand nous regardons à une seule personne. Dieu donne la plénitude quand nous le laissons utiliser beaucoup de personnes à la fois. Il n'y a pas la plénitude avec un seul ministère. Alléluia. Pas du tout. Je voulais vous demander, suite à ce que vous venez de dire, est-ce que, bon, je dirais en dehors de la prière, y a-t-il un autre exercice pour pouvoir déceler les différents dons qui existent au sein des enfants de Dieu dans une église comme celle-ci, hein, par exemple? Le pasteur, premièrement, et les anciens qui travaillent dans l'église, doivent se donner cette tâche. Parce que ce n'est pas des choses qu'on discerne en un jour. C'est des choses qu'on discerne à long terme. Pour quelques-uns, ça va se manifester vite. Pour d'autres, ça va se manifester après plusieurs expériences. Alors, il faut que le pasteur se dise, je suis pasteur, je suis conducteur, j'ai tel ministère, par la grâce de Dieu, j'exerce aussi tel don spirituel. Mais je n'ai pas tout. Parce que Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas du tout, pas du tout. Quand cet homme est tous les dons spirituels, est toute la puissance de vers tout le monde. Le pasteur donc doit se dire, voilà, j'ai ce ministère, j'ai ce don.
Mais il faut qu'il y ait d'autres ministères et d'autres dons. Et c'est lui, avec les anciens, qui vont se mettre à demander à Dieu, à prier, et puis à constater, à observer. Et comment tu sauras que telle sœur, tel frère a le don de guérison tant qu'il ne prie pas pour les malades? Alors, moi, je le dis par l'expérience que j'ai faite, c'est que même dans l'église, quand il faut qu'il y ait la prière pour les malades, je sais que tout le monde qui est là s'attend à ce que le frère Obaker prie pour moi. Ça, je le sais. Mais c'est faux par rapport à la parole de Dieu et c'est faux par rapport à la disposition de Dieu. Dieu ne peut pas me donner, me confier tous les dons. Je prêche, j'exhorte, j'enseigne, je guéris les malades, je donne des prophéties, je fais ça. Dieu ne peut pas me donner ça. Mais l'habitude dans les églises, c'est que les chrétiens qui sont des bébés, eux, ils pensent que j'ai tout. Et c'est pourquoi chacun vient vers moi. C'est à moi à leur montrer que je n'ai pas tout. Ça, il faut dire la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous arrivez à l'église de Déa, vous serez étonné d'entendre les chrétiens vous parler comme je suis en train de parler là. Alors moi, dans mon expérience, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'après la prédication, bon, tout le monde attend que je prie pour le malade. Je fais comment? Je demande à tel ancien, à tel ancien, à tel ancien, à Seigneur, de venir prier pour le malade. Quelquefois, je préside le service de prier pour le malade. Et moi-même, je ne touche à aucun. J'observe comment ça se passe. Quelquefois, je sais que tel frère a vraiment prié pour son dame. Telle sœur a vraiment prié. Après, je vais chercher à connaître la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les réunions suivantes, je vais demander des témoignages. Tel frère va se lever vraiment. On a prié pour moi dimanche. Je suis que, ah, je sais que c'est tel frère qui a. Même si j'observe quand même quelques-uns, je dis, vraiment, c'est tel frère qui a prié. Mais quand nous avons le témoignage. C'est telle sœur qui a prié, nous avons le témoignage.